pour être plus précis, avec l'histoire d'un chevalier qui s'appelle Freeman, qui part à l'aventure dans les bois, et comme tout chevalier qui se respecte, il part chercher des champignons. Et oui, on peut être chevalier et aimer la bonne cuisine, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Cependant, lors de sa quête, il va tomber sur un très gros problème, il va se faire capturer par une famille de trolls. Ça vous fait peur, les trolls? Il y en a, oui, il y en a, non. On a eu un public, une fois, ils sont tous sauvés, on a dit trolls, ils sont partis. Mais restez. Donc il est bien embêté, notre ami Filman, car il est captif. Heureusement pour lui, sa douce va venir à sa rescousse. Elle s'appelle Magnil, et elle ne va pas venir avec une épée, comme on aurait pu le croire. C'est vrai qu'une épée pour combattre des trolls, ma foi, ça semblait assez logique. Eh bien non, elle va venir avec une harpe, car tout le monde en assistance ici le sait, les trolls ont peur des harpes, vous le saviez. Encore une petite défaut. Bref. Voici donc le morceau qu'elle leur a joué pour les effrayer. Pour vous, ancien roi, la langue de l'époque des pays scandinaves, Finnman, Hock, MacNeil. Alors je vois qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà le morceau et la tradition qui accompagne ce morceau. La chorégraphie, tout à fait. Savoir que dans les pays scandinaves, ce morceau ne commence jamais, au grand jamais, tant que tout le public ne frappe pas un rythme dans ses mains. C'est la tradition qui veut ça, vous voyez aucune malice de notre part. Alors vous imaginez, déjà il y a des publics un peu plus récalcitrants que les autres. Notre record personnel est de 5 jours, 4 heures et 26 minutes avant le début de ce morceau. Si vous voulez, nous ne pouvons pas dépasser ou établir ce record aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour toi? Est-ce que vous êtes prêts, les grands jambons?